Coucou. Et coucou. Il est 6h15 du matin, ça fait un quart d'heure qu'on est parti donc de Los Arcos. Vamos, le Coruño. Ouais. Voilà, tout va bien. Donc on va essayer d'éviter une partie de la chaleur pour les grands chemins blancs que vous venez de voir. Il ouais. Va pas y avoir beaucoup d'ombre non plus. On traverse trois villes, mais c'est écarté de 8 km je crois à chaque fois, enfin les villes pour l'eau. Donc c'est pour ça qu'on est parti de bonne heure. Voilà. Pour le topo, normalement on a deux jolies côtes pour agrémenter les choses et arriver le plus tôt à Logroño afin qu'on puisse préparer le retour in Francia. Donc voilà, donc on n'est pas les seuls. Hein. Je vous montre devant. Il y en a même qui sont déjà partis plus tôt. Ouais. Voilà. J'espère vous filmer quand même de belles images. Et je vous dis. À plus tard. À plus tard. Je vais vous mettre la photo en incrustation de la dernière soirée là, du club des 5, puisque les deux sœurs sont parties. Là, on en a laissé deux qui coupent l'étape en deux. Et on retrouve Annie, celle qui a des lunettes sur la photo, à Logroño ce soir. Elle va jusqu'à Burgos. Allez, vamos Logroño. Besos.
Hola, ¿qué tal? Hey, coucou. J'espère que vous allez bien. Nous, on est rincés, mais sinon ça va. Ah oui. On est un peu plus, on est lessivés. Superbe étape aujourd'hui. Ouais. Bon, 28 km sous la chaleur. Donc, on avait décidé de partir plus tôt. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, on a bien fait parce que après, on a subi un peu. À partir de midi et demi, quoi. Hein. Voilà. Entre ça et les douleurs qui se sont réveillées, qui se sont dit ouais, mais je vous ai pas oublié. Donc voilà. Voilà, toute la journée. Et sinon, c'était très joli. Il y avait j'avais peur que ça soit un peu les grands chemins blancs tout le temps. Et puis, et en plein soleil, en fait, non, on est passé dans les, dans les pinèdes. Il y avait de l'ombre, il y avait un peu de tout. Donc, mais on a subi un petit peu la chaleur. Je pense qu'on s'est décontracté et qu'on s'est dit c'est la dernière. Donc voilà quoi. Ah ouais. Donc voilà, mais pour cette année, vamos lo grogno, ça y est, c'est validé. Voilà. Là maintenant, ça sera vamos León, mais bon, pas pour tout de suite. L'année prochaine. Pas pour tout de suite. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui ont commenté, qui nous ont suivis, que ça soit sur les photos, sur Facebook ou sur les vidéos, qui ont ne serait-ce que regardé la vidéo. Donc merci à vous, c'est que j'espère qu'elles vous auront plu. On fera un retour complet du chemin quand on sera rentré, parce que là on a le bus demain à 16h, mais on rentre pas direct parce que on est obligé de s'arrêter à Dax pour dormir. Enfin voilà, bon, c'est tout un périple pour rentrer chez nous. Donc on fera une vidéo sûrement en fin de semaine, voilà, pour vous dire ce qu'on a ressenti l'un et l'autre. Hein, du chemin. Voilà. De cette partie-là. Mmh. Du moins. Puisque là, du coup, on a fini la partie française et attaqué le Camino français. Oui. Elle n'est pas contrariée. Non, je suis fatiguée. Donc voilà, ouais, non, je crois que même qu'on a fini, même que demain, petit déjeuner serait qu'à 9h30 parce que ça ne voit pas avant. Ouais, voilà. Un peu plus. Donc on va se coucher, voilà. Comme on fait comme les poules. Ben, de toute façon, depuis 15 jours, c'est 8h30, 9h au lit. Hein. Comme voilà. Voilà. Elle a tout dit. C'est ça. Donc voilà. J'espère que les images vous auront plu, que cette vidéo va vous plaire aussi. Et on vous dit à très vite, puisque bon, mais pas tout de suite, pas la semaine prochaine, mais nous allons rattaquer donc, nos randonnées dans notre sud-ouest. Donc on vous dit à bientôt. Déjà en fin de semaine, on fera une vidéo tous les deux pour vous faire le compte rendu un petit peu, faire notre ressenti. Voilà. Et voilà. Donc on va vous dire bonne soirée et bonne à très soirée, vite. Et à bientôt. Allez, à bientôt, bisous. Ciao. Besos. On est encore en Espagne, oui.